Et quand on dit bougeons, sauvons la planète. Un corps sain dans un environnement sain et solidaire, c'est ce que prônent nos observateurs. Ils ont des initiatives qui associent sport et bien-être de la société et ils nous en parlent dans notre rubrique Les Observateurs s'engagent. Faire du jogging, c'est bon pour le corps, mais ça peut être aussi bon pour l'environnement. Notre observateur Félix Tagba habite à Lomé au Togo et il a lancé l'initiative Eco-Jogging. Le principe est simple, faire son jogging avec des amis tout en ramassant les déchets qui traînent dans la ville. Lors de leur première collecte fin janvier, les éco-joggeurs ont ramassé environ 10 kg de déchets. Le projet a un double objectif, comme nous l'explique Félix. En ramassant les déchets, on protège l'environnement et en même temps on fait le social parce que les déchets que nous ramassons, nous les donnons aux personnes qui sont en conflit avec la loi, qui transforment les sachets de plastique en sacs, en d'autres outils. L'événement sera mensuel, donc vous pouvez faire de l'éco-jogging partout où vous êtes. Certains aiment courir pour faire le bien, d'autres utilisent leur vélo pour transmettre les bonnes pratiques. Nos observateurs en Inde ont parcouru 1000 km à vélo traversant leur pays du sud vers le nord. Piyush, 58 ans, et Sanjita, 51 ans, ont roulé pendant 10 jours et se sont arrêtés dans les grandes comme les petites villes pour expliquer des astuces simples. Fabriquer un compost en pot de terre ou encore organiser une collecte de déchets efficace. Un projet qui montre qu'il n'y a pas d'âge pour changer son mode de vie. On termine aux États-Unis où le sport permet d'aider les sans domicile fixe. C'est l'objectif du projet Back on My Feet de notre observatrice Cathy. Les sans-abri doivent d'abord se mettre au sport pendant 30 jours, puis une fois les objectifs sportifs atteints, ces derniers ont droit à des formations pour les aider à trouver un emploi. Notre observatrice en est persuadée, le sport redonne confiance en soi aux sans-abri et les motive pour tout le reste. Vous aussi vous avez une initiative positive, alors contactez-nous à opsengagé@france24.com.